Les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan se sont réunis ce samedi en Géorgie. Erevan et Bakou ont ainsi entamé leur premier pourparlers direct depuis la guerre qui a opposé ces deux pays dans la région du Haut-Karabakh en 2020. Ces discussions s'inscrivent dans le sillage d'une médiation européenne visant à avancer vers un traité de paix. Ces pourparlers ont été toutefois précédés d'une montée de tensions. Les deux pays s'accusent mutuellement de porter la responsabilité d'un nouvel échange de tirs à la frontière dans la nuit de vendredi à samedi. Après une première guerre qui a fait plus de 30 000 morts au début des années 90, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés à l'automne 2020 pour le contrôle du Haut-Karabakh. Plus de 6 500 personnes ont été tuées dans cette nouvelle guerre. Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu négocié par Moscou, l'Arménie a finalement cédé des pans entiers de territoire qu'elle contrôlait.